Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un tuto sur iMovie sur l'erreur 50 que nous, Français, nous cherchons à résoudre. Il n'y a que des vidéos en anglais où la plupart d'entre nous ne comprennent rien du tout. Donc voilà, j'ai décidé de faire un tuto en français. Je pense avoir trouvé la solution. Donc voilà, suivez le tuto et je vous dis à tout de suite. Nous revoici, nous revoilà. Donc le tuto commence, donc nous voici sur iMovie, donc le logiciel en question qui fait bugger, qui a un gros bug. Donc je vais vous faire voir tout ça, donc je vais déjà passer par le bug en lui-même et comment essayer de résoudre ce bug. Donc là normalement quand vous faites partager le fichier, vous faites bien évidemment suivant. Hop. Donc voilà. Là, j'attends que ça charge et je reviens vers vous après. Donc nous revoici sur la vidéo. Donc voilà, après un laps de temps, ce que cela vous met. Donc échec de partage. Voilà, exportation de ma vidéo et a échoué. Vous mettez détails et là erreur rendue. Vidéo, moins 50. Donc là, voilà, vous faites OK. Vous allez voir où est-ce que vous avez été mettre votre vidéo. Pour ma part, c'est ici. Donc voilà, je vais lancer. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, sur QuickTime Player, ma vidéo s'est enregistrée jusqu'à 1 minute 1. Donc jusqu'ici. Voilà, le bug il vient d'ici en fait. À votre minute. Donc je vais fermer ceci. Je vais revenir sur iMovie. Et là donc c'est à 1 minute. Donc c'était juste après. Hop, bah 1 minute, voilà, c'est là. Donc là à mon avis, c'est la vidéo, c'est ça qui fait planter. Donc ça je vais l'effacer. Voilà. Et là nous allons tester 100. Parce que vu que c'est ça qui ferait bugger, on va dire que on va essayer 100. Donc là tac, nous allons revenir. Fichier, voilà. Je vais mettre en pourri. C'est juste histoire que voilà, vous faire voir si ça charge. Que le chargement se passe bien quand même. Parce que si ça charge à cette définition là, ça chargera dans une autre. Donc là, je vous laisse encore un petit instant, histoire d'attendre que ça charge, et je vous reprends de suite. Nous revoici, nous revoilà. Donc voilà, une fois la vidéo exportée, ça vous affichera ce message-là, ça voudra dire que le tuto s'est vraiment bien passé pour vous. Et voilà, j'espère que ce tuto t'aura servi à résoudre ton problème. Mets un pouce bleu si tu as réussi. Sinon, note-moi ton souci dans les commentaires. J'essaierai de faire quelque chose pour toi. Voilà. Et bien, la fin du tuto est maintenant. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.